وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البلد سن سورة مكية خيجيريا. الله تبارك وتعالى دي لا أقسم بهذا البلد. لا en langue arabe elle vient dans le sens de la négation, mais ici ça vient pas dans, elle vient pas dans ce sens là. Ici c'est pour attirer l'attention. C'est comme si Allah Ta'ala dit, moi je jure par cette cité. C'est pas la uqasimu bihadha al-balad, je ne jure pas. Quelqu'un qui comprend pas, qui a une compréhension d'arabe sommaire, il ne connaît pas la manière dont les arabes utilisent les mots, il lit la uqasimu bihadha al-balad, il traduit, il veut dire je ne jure pas par cette cité. C'est ce qu'il comprendrait, quelqu'un qui ne comprend pas comment les Arabes utilisent les mots. Mais ici, ça n'a pas du tout ce sens-là. Au contraire, c'est pour appuyer là, pour attirer l'attention. Et c'est dans le sens, moi, je jure par cette cité. Là, uqasimu bihad al-balad. Uqasimu bihad al-balad. En langue arabe, quand on jure, il y a trois lettres qui sont utilisées pour le qasam, ou pour le halif. Le ba, le waw et le ta, qui sont utilisés pour jurer. Et ici, c'est le ba, bihad al-balad, comme si on disait billah. Et Allah, il jure ici par quelle, par cette cité. Quelle est cette cité? Mecca. La meilleure cité, la cité qu'il a choisie pour la révélation, pour envoyer le meilleur de ses messagers, et le dernier de ses prophètes et de ses messagers, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Cette cité qui est une cité sacrée, que tellement elle a de la valeur que quelqu'un qui prie dans la mosquée de la Kaaba, qui est au milieu de, donc, de Mecca, il a 100 000 prières. Et il a fait de cette cité une ville sécurisée et une ville haram, sacrée, où il y a des règles spécifiques à la Mecque. Donc c'est pour montrer la valeur qu'Allah tabaraka wa ta'ala il a donnée à Mecca. C'est la meilleure terre qui existe au monde, et le meilleur endroit au monde, c'est Mecca. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. Et toi, tu es résident dans cette cité. Donc quand Allah tabaraka wa ta'ala jure, je jure par cette cité, quand tu es présent dans cette cité, au moment où tu es présent dans cette cité, c'est-à-dire que déjà la cité, elle a de la valeur. Alors si le prophète sallallahu alayhi wa sallam est dedans, qui est le meilleur des hommes, la meilleure cité avec le meilleur des hommes. Et ça, c'est permis que à Allah de jurer par les créatures. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jure par autre qu'Allah, faqad kafar ou ashrak, il a mécru ou fait du polythéisme. Donc il n'est pas permis de jurer par autre qu'Allah pour personne. Mais Allah, tabaraka ta'ala, lui, il fait ce qu'il veut. Wa anta hillun bihadha al-balad. Il y a aussi deux explications pour ce verset-là. Le premier dit, quand toi tu es présent dans cette cité, c'est-à-dire toi quand tu es résident dans cette cité. Ça, c'est une explication. La deuxième explication, c'est quand on a rendu cette cité licite pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Allah tabaraka wa ta'ala a rendu la cité de la Mecque sacrée. Sacrée en arabe, haram, ça veut dire sacré, ça veut dire illicite. D'accord? C'est-à-dire qu'il est illicite d'y faire pas mal de choses. D'y transgresser, de l'attaquer, d'y faire la guerre, etc. Donc, attaquer la Mecque, c'est interdit. Mais Allah Ta'ala, cette sacralisation, elle était toujours auparavant, et elle est toujours maintenant. Il l'a rendue licite au prophète sallallahu alayhi wa sallam, juste pour un moment, le jour de la victoire de la Mecque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, on m'a rendu licite un moment de la journée, et elle redeviendra illicite juste après. C'est-à-dire que ça, c'est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour que la Mecque devienne terre d'islam. Et ça, donc, c'est une des explications du sens wa anta hillum bihad al-balad. C'est-à-dire, je jure par cette cité au moment où elle est devenue licite pour toi. C'est-à-dire, il s'est devenu licite pour toi de l'attaquer et de la conquérir. Et c'était spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est au moment de la victoire de la Mecque. Naam. Wa walidim wa ma walad. Et par le père et ce qu'il engendre. Certains savants ont dit que ça veut dire qu'Allah Ta'ala il jure par Adam et par sa descendance.
D'autres y disent par le Père et ce qu'il engendre en général. Tout être vivant, même les animaux. Car il y a, subhanallah, vraiment un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la création. Comment d'un homme ou d'une créature ou d'un animal, puis d'une goutte d'eau, il y a un enfant qui naît. Il respire, il parle, d'une goutte. Donc Allah ta'ala nous interpelle pour réfléchir et pour méditer sur ces signes-là. Nous avons certes créé l'être humain fi kabad. Il y a deux explications pour kabad. Laqad khalaqna al-insana fi kabad. Le premier sens de kabad, c'est mustaqiman. Le même sens que dans surat Tin, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, sous sa meilleure forme. Ça, c'est le premier sens de laqad khalaqna al-insana fi kabad. On l'a créé sous sa meilleure forme, debout, parfait, la tête en l'air, des yeux, un nez, une bouche, il respire. Regardez les autres créatures, elles sont comment? La tête vers le sol. Qui est la créature qui marche la tête en l'air? L'être humain. Pourtant, il n'est pas le plus fort de toutes les créatures. Combien de créatures qu'Allah a créées, elles sont beaucoup plus fortes que l'être humain. Non. L'autre explication de laqad khalaqna al-insana fi kabad, ça veut dire dans le sens une lutte, une fatigue. Allah a créé l'être humain pour subir de la peine, de la difficulté. Il subit de la peine et de la difficulté dans ce monde pour toute chose. Il subit de la peine et de la difficulté pour se nourrir. Il doit aller chercher la nourriture. Il doit travailler. Il doit suer. Il subit de la peine et de la difficulté dans l'épreuve de laquelle il vit dans ce monde, avec son âme bestiale, de devoir combattre son âme, qui la pousse vers le mal et lui doit la tirer vers le bien. Il vit de la peine et de la difficulté en pratiquant certains ordres religieux. Il y a de la difficulté physique parfois dedans. Parfois, il y a une guerre en toi-même. Donc, il est dans une lutte, dans une difficulté, cet être humain. C'est ça la lutte. El kabad dans le sens de la lutte. Et cette peine et cette difficulté, elle le suit jusqu'à sa mort pour le croyant. Mais pour le mécréant, elle le suit même après la mort. Et cette peine et cette difficulté, elle ne fera qu'accroître éternellement en enfer. Amma le croyant, il va la laisser dans le dunya. Si c'était un croyant qui mérite le châtiment, alors il la traînera avec lui un petit moment, puis elle le quittera définitivement pour qu'il soit au paradis éternel. Si c'est un croyant qu'Allah Ta'ala, à qui il a pardonné et il l'a accepté parmi les gens qui entrent au paradis directement, et qui ne subissent pas les châtiments de la tombe, dès le moment où il meurt, il sera, Inch'Allah, préservé de cette peine et de cette difficulté. Il la laisse en partant, en quittant ce bas monde, il la laisse dans ce bas monde. Qu'Allah nous fasse parmi ces gens-là. Ayahsabu allay yaqdira alayhi ahad? Croit-il que personne n'est capable sur lui? Et c'est ça l'être humain. Quand il est en forme, quand il est à la fleur de l'âge, quand il est fort, qu'il a la santé, il a l'argent, il transgresse. Et ça, on l'a vu auparavant. Quand Allah Ta'ala dit, certes, l'être humain, il transgresse quand il voit qu'il est suffisant, qu'il a ce qu'il lui faut, qu'il a ce qui lui suffit, il se sent riche, que ce soit en santé ou en bien. Et subhanallah, effectivement, quand la personne, elle a tout, souvent, elle oublie Allah Subhanahu wa Ta'ala, elle transgresse. Donc, c'est ça aussi, l'être humain. Croit-il que personne n'est capable, n'a une capacité et un pouvoir sur lui? Croit-il qu'Allah Ta'ala, il n'est pas capable de le châtier? Croit-il qu'il ne va pas rendre des comptes? Non. Ayahsabu an la yaqadira alayhi ahad, yaqulu ahlaktu mala lubada. Il dit, j'ai gaspillé beaucoup de biens. Yaqulu ahlaktu mala lubada. Non. C'est bien qu'Allah lui a donné. Effectivement, quand l'être humain les dépense dans ses passions, dans les choses qui ne sont pas d'une utilité pour lui dans l'au-delà, ou qu'il l'aide dans sa religion, dans ce bas monde, c'est du gaspillage. Cet argent qu'il a mis, il a aucun intérêt pour lui. Au contraire, il va le regretter. Tout argent qui est dépensé, tout bien et qui est dépensé dans autre chose qui pourrait nous être utile en notre religion, dans ce monde ou dans l'au-delà, c'est une dépense que l'on va regretter.
Et c'est considéré comme du gaspillage. Non. Combien, subhanallah. Regardez tous ceux qui gaspillent l'argent dans le haram. Ou qui gaspillent l'argent dans les futilités. À part le regret, est-ce qu'ils ont un autre sentiment? Ils peuvent que regretter cet argent dépensé. Mais le regret de l'au-delà est encore pire. Et d'ailleurs, vous savez tous que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith sahih que le fils d'Adam ne passera pas le jour du jugement dernier avant d'être questionné sur 4 choses, ou dans une version sur 5 choses. Parmi cela, ses biens, son argent, d'où est-ce qu'il les a acquis, la manière dont il les a acquis et comment il les a dépensés. Et ici, l'être humain, il dit « Yaqulu ahlaktu mal al-lubada » Il dit « J'ai gaspillé et dilapidé mon argent. » « Ayahsabu allam yarahu ahad » Croit-il que personne ne le voit quand il fait cela? Puis Allah Ta'ala lui rappelle les bienfaits qu'il lui a donnés. « Alam naj'al lahu aynayn » Ne lui avons-nous pas donné 2 yeux avec lesquels il peut voir et méditer? Vous imaginez les bienfaits des yeux? Tout ce qu'on peut voir, les couleurs, les formes, la création d'Allah Subhanahu Wa Ta'ala, voir un danger qui pourrait nous atteindre, voir une chose bien qu'on pourrait avoir, à atteindre. Imaginez-vous les personnes qui sont privées de la vue. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ Et une langue et 2 lèvres. Si Allah Ta'ala ne nous avait pas donné une langue et 2 lèvres, comment tu pourrais exprimer ce que tu ressens? Faire passer tes sentiments, ton message, ce que tu penses, communiquer, à part avec des gestes. Mais c'est compliqué avec des gestes, c'est pas précis. Et la voix, subhanallah, comment Allah Ta'ala il a fait la voix? Tout ça c'est de l'air qui sort des poumons. Toutes les lettres qu'on sort, là, ce que vous m'entendez parler, c'est de l'air. Comment c'est, tout ça s'est façonné en lettres et en mots compréhensibles? Et vous comprenez ce que je dis et je vous comprends. Et combien de langues il y a sur Terre? Et les gens, ils se comprennent avec ces langues-là. Combien de sons, des prononciations incroyables? Nous qui sommes ici, si un Chinois il vient, il nous écoute, il dit, c'est quoi ces sons qui sortent? J'ai jamais entendu des sons comme ça. Et nous, on va chez eux, on comprend rien. On dit que pour nous, toutes, c'est les mêmes lettres. Il y a une lettre qui se répète. C'est vrai, c'est pas vrai. Mais en vérité, ils se comprennent. Enfin, Allah, tabarak wa ta'ala, comment il a créé l'être humain? Il lui a donné les yeux, il lui a donné la langue, il lui a donné les lèvres. Il arrive à s'exprimer, à sortir des sons, des lettres qui ont un sens. Subhanallah. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ Et nous l'avons guidé sur les 2 voies. Les savants ont donné plusieurs explications sur cela. Nous l'avons guidé sur les 2 voies, c'est-à-dire la voie du bien et du mal. Allah il nous a montré et il nous a explicitement démontré et éclairci quelle est la voie du bien et quelle est la voie du mal. C'est-à-dire, on ne peut pas se tromper pour celui qui cherche la vérité. Il y a une autre explication. Nous lui avons montré les 2 voies. Il parle du bébé qui s'est retrouvé tété à la poitrine de sa mère. Comment il est dans le ventre de sa mère, il reçoit sa nourriture par un cordon. Et d'un coup, il sort, il sait qu'avec sa bouche, il doit aller téter le lait. Comment il sait ça? Donc, certains ulama, ils ont dit ici, nous l'avons guidé aux 2 voies, c'est-à-dire c'est où l'enfant doit aller téter. Et ici, après qu'Allah tabaraka wa ta'ala ait rappelé l'être humain comment il est, qu'il est fait pour être dans une lutte, qu'il dilapide son argent dans les passions et qu'il va regretter cela et qu'il oublie qu'Allah le voit et qu'il est capable sur lui et qu'il oublie les bienfaits qu'Allah lui a donnés, les yeux, la langue, les lèvres et qu'Allah lui a montré le chemin du bien et lui a montré le chemin du mal. Et malgré ça, l'être humain, qu'est-ce qu'il fait? Or, cet être humain, il ne s'engage pas dans la voie difficile. C'est quoi la voie difficile? وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَ Qu'est-ce que c'est que s'engager dans la voie difficile? Qui est difficile à franchir, c'est quoi? فَكُّ رَقَبَ Affranchir un esclave. Ou bien un esclave que la personne elle possède l'a franchi, ou bien il la rachète à quelqu'un comme Abu Bakr Siddiq il a fait pour Bilal, il l'a racheté pour l'affranchir, pour le libérer. Ou bien libérer un prisonnier musulman. Et c'est vrai que ça, c'est une pente difficile. Parce qu'à l'époque, ça avait de la valeur, un esclave. Ça coûte cher. C'est quelqu'un qui est en service, il fait des choses. T'imagines, tu perds comme un travailleur, comme un employé à plein temps, tu perds. Donc, pour que la personne, elle fasse cette dépense, c'est qu'il espère une récompense auprès d'Allah. Donc, c'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit,
C'est la voie difficile. Fakku raqaba, libérer un esclave qu'il possède, ou en l'achetant et en le libérant, ou bien un prisonnier musulman. En général, les gens qui ont des prisonniers musulmans, ils ne le libèrent pas comme ça gratuit, ils demandent des grosses sommes. Et il n'y a que quelqu'un qui espère la récompense auprès d'Allah qui est prêt à donner cette grosse somme pour libérer quelqu'un. Fakku raqaba, donc libérer ou affranchir un esclave, délivré un jour. Ou it'amun fi yawmin dhi masraba. Ou bien nourrir en un jour de grande famine. Quand c'est la grande famine, c'est là que le besoin est le plus grand. Mais nourrir qui ? Yatiman dha maqraba. Un orphelin qui est un proche parent. Un orphelin, c'est celui qui a perdu son père avant d'atteindre la puberté. Certains disent qu'il a perdu les deux parents ou un des deux. Mais le plus juste, c'est qu'il faut au moins qu'il ait perdu le père pour être considéré orphelin, parce que celui qui le dépense pour lui, celui qui peut le protéger, etc., pour ne pas que les gens lui fassent du mal, c'est le père. Donc en général, c'est quand le père part que les gens ils se permettent de faire du mal à un orphelin, ou de s'en prendre à lui, ou de s'en prendre à ses biens. Non. Et ici, Allah tabaraka wa ta'ala encourage à nourrir l'orphelin, à s'occuper de lui, un orphelin proche parent. C'est-à-dire que, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, que la sadaqa que tu fais aux proches, elle a une plus grande valeur qu'une sadaqa que tu fais à quelqu'un de lointain. Car cette sadaqa que tu fais à quelqu'un de proche, elle a une double récompense. La récompense que tu fais une sadaqa et la récompense que tu lis les liens de parenté en même temps. Et subhanallah, malheureusement aujourd'hui, on trouve les premiers à opprimer les orphelins, c'est les proches. Les premiers à voler l'argent de l'orphelin, c'est les proches. Les premiers à le mépriser, à l'utiliser comme un esclave, c'est les proches. Les premiers à lui faire du mal, c'est les proches. Parfois, tu vois, les gens lointains, ils ont plus de miséricorde pour cet orphelin que le proche. Allahu musta'an. فَلَقَتَحَ مَا الْعَقَبَ وَمَا أَدْرَكَ مَا الْعَقَبَ فَكُّ رَقَبَ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَ. ذَا مَتْرَبَ, c'est-à-dire qui ne possède que la terre, que la poussière. C'est-à-dire il n'a rien, dénué. Il ne lui reste rien, ni pour lui, ni pour ceux qui sont à sa charge. Ou miskinan dha matraba, thumma kana min alladhina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhama. Quel est l'état de cette personne? Pourquoi il fait tout cela? Il n'a pas fait cela juste pour gagner des liens avec les gens. Puis il est parmi ceux qui ont cru, et qui se conseillent mutuellement la patience, et qui se conseillent mutuellement la miséricorde. Donc ce qui l'a poussé à être ainsi, ce n'est pas juste pour être gentil avec les gens, mais c'est sa foi. Et c'est ça qui est le plus important, c'est que cette personne, elle croit en ce que Allah tabaraka wa ta'ala lui a ordonné de croire. Croire en Allah tabaraka wa ta'ala, en ses anges, en ses messagers, au livre révélé, au jour dernier, et à la destinée bonne ou mauvaise qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait partie du iman, de faire les bonnes actions. L'iman, c'est ce qui est ancré dans les cœurs, et ce que la langue prononce et que les membres mettent en pratique. Tout ça, c'est l'iman. Et pour qu'une bonne action, elle soit acceptée, il faut obligatoirement qu'elle soit faite sincèrement pour Allah tabaraka wa ta'ala et conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un peut avoir la plus grosse sincérité du monde, mais si ce n'est pas conforme à la législation islamique, cette action est rejetée par Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Thumma kana min alladhina amanu wa tawassaw bis-sabr. Qui se conseille mutuellement la patience. Sabr, on en a déjà parlé. Qu'est-ce que ça veut dire la patience? C'est retenir son âme sur trois choses. Premièrement, sur l'obéissance d'Allah. Car l'obéissance, elle demande une patience. Car il y a une difficulté dans certaines obéissances, dans certains actes d'adoration. Il y a une difficulté, mais qui est supportable. Car si ce n'était pas une difficulté supportable, Allah Ta'ala ne l'aurait pas ordonné à tous les êtres humains. Ce n'est pas une difficulté qui est insupportable, c'est une difficulté supportable et acceptable. Mais il y a quand même une certaine difficulté. Il y a un combat de la fainéantise, il y a un peu de fatigue. Le jeûne, il y a un peu de fatigue dedans. La salat, il y a... un petit peu de fatigue, faut aller faire les ablutions, enfin, on va dire, il y a un combat de la fainéantise, il n'y a pas de fatigue, mais un combat de la fainéantise. Que ce soit la zakat, il y a une difficulté, il faut que tu sortes de ton argent.
Le hajj, il y a du physiquement, c'est difficile. Ceux qui ont fait le hajj, ils savent ça. Physiquement, c'est difficile. Puis financièrement, il y a une difficulté. Donc, l'obéissance, elle demande une patience. Quelqu'un qui n'est pas patient, il ne pourra pas être obéissant. Quelqu'un qui, pour n'importe quelle chose, elle l'arrête, il ne pourra pas être constant dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les prophètes, ils ont été ordonnés de transmettre le message. Ils ont supporté, ils ont subi des insultes, des attaques. On a essayé de les tuer, de les empoisonner. Il y en a, ils ont été blessés. Il y en a, ils ont été tués. Ils n'ont pas arrêté de faire leur travail, de combattre sur le sentier d'Allah, de transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'ils n'avaient pas de patience, ils n'auraient pas été constants dans l'obéissance d'Allah. Donc la patience, c'est nécessaire pour obéir. Donc la première sorte de patience et la plus élevée, c'est patienter dans l'obéissance d'Allah. Passer d'une obéissance à une obéissance. Et rester constant dans les actes d'obéissance. Et ne pas faiblir dans les actes d'obéissance à cause de ce que l'on rencontre sur le sentier d'Allah comme difficulté. Ça, c'est la première patience. La patience, c'est aussi patienter vis-à-vis des interdits. Quand ton âme bestiale, elle t'appelle à faire un interdit. Quand tu es attiré à faire un interdit avec tes yeux, ou avec ta langue, ou avec tes oreilles, ou avec ton corps, alors tu patientes, tu te retiens. Tu retiens ton âme pour ne pas qu'elle passe à l'acte et qu'elle fasse ce qu'Allah tabaraka ta'ala déteste et réprouve. Ça, c'est la deuxième sorte de patience. La troisième sorte de patience, la troisième catégorie de patience, c'est patienter face au destiné d'Allah tabaraka ta'ala douloureuse. Quand une épreuve te touche, quand tu perds un proche, quand tu es touché par une maladie, quand tu es touché par une difficulté, quand tu es éprouvé par ta propre personne. Parfois, Allah Ta'ala t'éprouve par ta propre personne. T'es pas bien. Ton nefs, tu le supportes plus ton nefs. Ton propre nefs, tu le supportes pas. Non, ça, c'est en fait, en général, t'es éprouvé à cause de tes péchés. Quelqu'un qui en arrive à là, c'est qu'il a un grand nettoyage à faire. Non. Donc, face à ces épreuves-là, comment tu vas réagir? Est-ce que tu vas patienter? Il y a quatre manières, quatre degrés et quatre manières de réagir face à l'épreuve. La première, c'est ne pas patienter, se mettre en colère. Cela peut se manifester par la langue, ou par des pensées, ou par des gestes. Par la langue, en insultant la vie, en insultant la situation, en disant des choses qui déplaisent à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme quelqu'un, il dit, quelle vie pourrie. Quand il insulte la vie, il insulte qui en vérité? Qui dirige la vie? Qui a destiné ce qui va t'arriver? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien, avec son cœur. Il peut avoir, par exemple, avoir de la pensée du mal d'Allah. Par exemple, avoir une haine envers Allah. Pourquoi Allah il me fait ça? Astaghfirullah. Par exemple, il y a des gens, ils croient qu'Allah c'est son copain. C'est-à-dire, il a cru ses codes, mais Allah, ils n'ont pas compris qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont pas donné de valeur à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a une relation avec Allah comme si c'était une créature. Ah, pourquoi tu m'as fait ça? Bah, tu m'as fait ça, bah, je ne suis pas content. Allah, il dit, Allah al-musta'an. Wallah, il y a des koufars, tu les entends, ils parlent comme ça. Mais qui t'es? Il y a makhlouk. Devant une créature de dunya, un président, etc., tu ne parles pas comme ça. Et tu parles comme ça du créateur, du roi des rois, subhanahu wa ta'ala. Il te détruit sur le champ, il engloutit l'univers, personne ne peut rien lui demander. Personne ne peut lui demander des comptes, subhanahu wa ta'ala. Comment tu penses? Non. Ou bien qu'il ait une mauvaise pensée dans son cœur, que comme si Allah avait été injuste envers lui, qu'il ne méritait pas ce châtiment, qu'il ne méritait pas cette épreuve. Comment ça? Allah ta'ala, il est injuste. Allah ta'ala, il ne te fait pas. Tout ce qu'il fait, c'est avec sagesse et justice, subhanahu wa ta'ala. Ou bien tu as mérité ça à cause de tes péchés, ou bien c'est une épreuve par laquelle Allah veut t'élever. Quoi qu'il en soit, c'est juste. Non. Ou la troisième manière, c'est de se fâcher avec ses membres. Se frapper le visage, s'arracher les cheveux, déchirer ses vêtements, casser la vaisselle, mettre des coups de poing dans les portes ou dans les murs. Voilà. Hein? Tout ça, c'est contraire à la patience. Hein? Donc si quelqu'un agit par l'une de ces manières-là ou ces manières-là combinées, c'est quelqu'un qui n'est pas patient et qui a mal réagi et qui, en plus d'être touché par l'épreuve,
En agissant comme ça, il ne repoussera pas ce mal qui l'a touché. Ça change rien à la situation. Si ça change quelque chose, il a rajouté des péchés sur son compte. Voilà. Rien d'autre. Il a rien gagné dans cette histoire. Il a fait que perdre. Il a perdu cette chose qu'il vient de perdre. Et en plus, il s'est rajouté des péchés. Ça, c'est la manière, première manière de réagir qui doit, par laquelle il ne faut pas réagir. La deuxième manière, c'est le plus bas degré de patience. C'est qu'en fait, dans son cœur, il déteste cette situation. Il aurait bien aimé ne pas être touché par ça. Ça ne lui plaît pas. Mais il ne pense pas du mal d'Allah. Et il ne dit pas quelque chose qui déplaît à Allah et il ne fait pas avec ses membres quelque chose qui déplaît à Allah. Ça, c'est le minimum de la patience. Quelqu'un qui est comme ça, il est considéré comme impatient. Et c'est le plus bas degré de la patience, mais Inch'Allah, il aura toutes les récompenses qui sont promises aux patients. إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Certes, les patients reçoivent leur récompense sans compter. Sans compter. Non. Ça, c'est la... qu'est-ce que je disais? Ça, c'est le deuxième, c'est la deuxième manière de réagir et c'est le plus bas degré de patience. La troisième manière de réagir, c'est ar-rida, la satisfaction. C'est-à-dire que avant que ce malheur le touche ou après, c'est pareil pour lui. Ça ne lui fait rien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de cette personne, quelle récompense elle aura. فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى. Celui qui est satisfait, alors il aura la satisfaction d'Allah. Cette personne, elle gagne la satisfaction d'Allah quand il est satisfait de ce qu'Allah lui a destiné. Et il y a un degré encore plus élevé que cela, c'est qu'en plus d'être satisfait, il est reconnaissant et il remercie Allah. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, il disait « Alhamdulillah ala kulli hal ». Quand il voyait quelque chose qui le déplaisait, il disait « Alhamdulillah ala kulli hal ». Et c'est pas étonnant, akhi. Comment ça? C'est pas étonnant, parce que si Allah t'a pris quelque chose, c'est qu'il va te donner mieux. Si Allah t'a pris quelque chose, c'est qu'il va préparer quelque chose de beaucoup mieux pour toi. À condition que tu patientes. Donc tu remercies Allah, car Allah il t'a préparé un grand cadeau et te donne une grande récompense. Ce qu'il t'a pris, c'est insignifiant par rapport à ce qu'il va te donner. C'est insignifiant. C'est comme si quelqu'un vient et te prend 1 euro et te donne une mallette de 1 milliard d'euros. Tu t'énerves en plus. Au lieu de dire barakallahu fik, en plus tu t'énerves, t'es pas content. Non, le croyant, il sait ça. Il a cette clairvoyance. Et il sait qu'Allah il lui a préparé une récompense énorme pour cette épreuve qu'il vient de subir. Donc il dit Alhamdulillah. Combien de hadiths ils viennent parler de cela? Que quand une personne elle perd un de ses enfants et qu'il dit Alhamdulillah, Allah Ta'ala dit construisez un palais pour mon serviteur, appelez-le le palais de la louange au paradis. T'imagines la difficulté de perdre un enfant? Et Allah Ta'ala il dit vous avez pris de mon serviteur thamarata fu'adihi, le fruit de son cœur. C'est-à-dire Allah Ta'ala regarde comment il appelle l'enfant, le fruit de son cœur. Et après, il demande, qu'est-ce qu'il a dit, mon serviteur? Les anges disent, il a dit, Alhamdulillah. Allah Ta'ala, il dit aux anges, construisez-lui un palais, appelez-le le palais de la louange. La personne qui a cette clairvoyance, qui sait cela, qui sait que cette vie-là, c'est un passage, qui sait qu'Allah Ta'ala lui prend, ce n'est que pour lui donner mieux, mais à condition qu'il patiente. Alors, il ne peut être que reconnaissant envers Allah Subhanahu wa Ta'ala. Il dit, Alhamdulillah. Mais malheureusement, l'insouciance, elle a envahi nos cœurs. Les péchés, ils ont noirci nos cœurs. On est occupé dans les distractions et dans les plaisirs et dans les délices et on a oublié qu'est-ce qu'on faisait sur cette terre. Jusqu'au point où quand on est éprouvé, on ne comprend pas ce qui nous arrive. Mais Yahri, tu crois que tu es au paradis ici? Cette vie, elle est faite pour être éprouvée. Allah, il l'a créée comme ça. Sinon, personne ne voudrait partir. Malgré qu'elle est pourrie, tout le monde veut rester. Malgré qu'elle n'a pas de valeur, elle n'a pas la valeur d'une aile de moustique, personne ne veut la quitter. Alors imagine, il n'y aurait pas de malheur. Il n'y aurait pas de difficulté. Non. Donc le musulman, il sait cela.
C'est pour ça qu'il est pressé de retrouver sa vraie demeure. Sa vraie demeure, qui est, Inch'Allah, le paradis. Allahumma ja'alna min ahli al-firdaus al-a'la ma'a an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin. Tayyib, wa tawasaw bil marhama, et qui se conseillent mutuellement la miséricorde. Le croyant, c'est quelqu'un de miséricordieux. Barakallahu fikoum, c'est très important de savoir ça. La miséricorde, beaucoup de gens mélangent ces choses-là. Ils ne font pas de différence entre l'amour, l'alliance, le désaveu et la miséricorde. On peut détester quelqu'un et avoir de la miséricorde pour lui. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre cela. Parce que nous, on a eu l'habitude de vivre avec juste tes sentiments. Tu me fais du bien, t'es mon meilleur ami, sans compter. On dépasse toutes les limites, oh, machallah. Demain, il me dit un mot de travers, c'est devenu mon pire ennemi. On suit les sentiments, on fait n'importe quoi avec lui, on dépasse toutes les limites. L'islam est venu régir toutes ces choses-là. Régir même l'amour et la haine. Qui tu as le droit d'aimer, qui tu n'as pas le droit d'aimer. Comment tu dois aimer? Comment tu dois détester? Et tu peux très bien détester quelqu'un et avoir de la miséricorde pour lui. Et lui vouloir du bien plus que sa propre mère, elle veut du bien pour lui. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il détestait les koufars et le kufr dans lequel ils étaient. Mais il était miséricordieux avec eux. Il était patient. Il supportait leur mal. Il espérait leur guider. Vous comprenez ça? C'est pas parce que nous on dit qu'on déteste le kufr et les koufars qu'on veut leur mal. On les déteste religieusement. On les déteste parce qu'Allah les déteste. Et on aime et on déteste pour Allah. Et on se désavoue d'eux pour Allah. Mais on espère leur guider. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se consumait de chagrin pour leur guider. Il se consumait de peine. Ça lui faisait du mal tellement il espérait leur guider. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est deux sentiments qu'on peut joindre. C'est pas parce qu'on déteste quelqu'un qu'on doit être injuste envers lui. Allah tabaraka wa ta'ala dit, Allah ne vous a pas interdit d'être bon et juste avec ceux qui ne vous combattent pas dans votre religion et qui ne vous sortent pas de vos demeures. Car certes, Allah aime les gens qui sont justes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est désavoué de celui qui fait du mal ou qui fait couler le sang d'un mécréant qui est sous un pacte avec les musulmans. Un pacte de paix avec les musulmans ou un pacte, on lui a donné la garantie qu'on ne lui faisait pas de mal. Donc on peut très bien joindre ces deux sentiments-là. Détester pour Allah, se désavouer d'eux totalement pour Allah subhanahu wa ta'ala et espérer leur guider. Et avoir de la miséricorde pour eux. Le musulman a de miséricorde même pour un animal. Pourquoi il n'aurait pas de miséricorde pour un être humain? Une femme, elle est entrée au paradis parce que une femme, baria, une prostituée, elle a eu de la miséricorde pour un chien. Elle lui a donné de l'eau du puits dans sa chaussure. Allah, il lui a pardonné ses péchés, elle est entrée au paradis. Ça, c'est la miséricorde pour un chien. L'être humain, il a plus de valeur qu'un chien. Non, il y avait des gens à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était les pires ennemis de l'islam. C'est comme si aujourd'hui, je te disais le nom de quelqu'un qui a tué des milliers de musulmans. C'est devenu après des sahabas. Pas seulement des gens pieux, les meilleurs des gens pieux. Les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pour te dire... Que Allah Ta'ala guide qui le veut. Les musulmans, les croyants, ils s'enjoignent à la miséricorde, d'être miséricordieux. Allah est miséricordieux, il aime les miséricordieux. Le prophète Sa'asem a enjoint d'être miséricordieux et il a enjoint que celui qui est miséricordieux sur terre, Allah sera miséricordieux avec lui. Même un animal, même un être humain, même quand il sacrifie sa bête, le prophète Sa'asem, il a demandé de la sacrifier avec miséricorde. De ne pas la faire souffrir, de ne pas la... Donc toute chose que le musulman fait, il est miséricordieux. Oulaika ashabul maymana. Voilà ceux qui ont donc toutes ces qualités-là, toutes ces caractéristiques, les gens de la droite. Les gens qui prendront leur livre de la main droite, qui auront un compte facilité et allégé. Oulaika ashabul maymana. Ashabul yamin. Allahumma ja'alna minhum. Ja'alna minal muqarrabin. Ashabul yamin. Ma ashabul yamin. Allah tabaraka wa ta'ala, il te dit, wa ashabul yamin, ima ashabul yamin, les gens de la droite. Et qui te dira qui sont les gens de la droite? Et il dit dans tous les délices dans lesquels ils seront au paradis, ceux qui prennent leur livre de la main droite
qui seront vraiment les vrais gagnants. Voilà, c'est pas quelqu'un qui a gagné au marché, qui a gagné au sport ou qui a gagné je ne sais où, il a rien gagné. Miskin. Il a gagné de retourner à la case départ pour rattraper le temps qu'il a perdu dans ça. Sauf si c'est pour un khir, c'est pour alhamdoulilah mubahat, quelque chose qui l'aide pour sa religion, garder la santé, quelque chose qui est dans le halal. Mais sinon, c'est pas un gain en soi. Puis Allah Ta'ala parle des autres, وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ. Et ceux qui ont traité de mensonges ou qui ont mécru en nos signes, voilà les gens de الْمَشْأَمَةِ. الْمَشْأَمَةِ, c'est les gens de la gauche, ou ça vient de شُؤُمْ aussi, les gens du malheur, les gens qui seront dans la perdition et qui prendront leur livre de la main gauche يوم القيامة et qui seront parmi les perdants. عليهم نار مؤصدة. Ils auront sur eux ou pour eux un feu dans lequel ils seront enfermés. C'est des prisons, c'est pas des prisons en fer, c'est des prisons de feu. نسأل الله السلامة والعافية وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وقل رب زدني علما.